453. L'église. L'église, Ecclesia, à qui je parle ce soir, Ecclesia, oh, pas une abango, na solo. Mais moi je parle ceci à ce matin, na solo belabino, na tu dis à travers le pays, na zela na mboka mobiba. Si vous êtes séparés du dénomination, so ki bokabwani, na bisala et de toute la salité de ces choses du monde, ya et de toutes ces choses qui vous gardent dans, la, dans le credo, tout ce qui est de Bakongo, c'était toi aussi. Les credos Congo sont dans ta maison. Les credos tétés sont dans ta maison. Les credos louba sont dans ta maison. Tu n'es pas encore sorti. Les crédits bayanzi sont dans ta maison. Le crédit de qui tu dirais il y a encore dans ta maison. Ma soeur, mon frère, tu dois sortir de cela. Tu dois sortir de cela. Tu n'es plus un mouyanzi. Tu n'es plus un moutetela. Tu n'es plus un moulouba. Tu n'es plus un moukongo. Tu es un chrétien que Dieu a mis à part. Tu n'es plus un mongala. Oh, que Dieu nous aide. Une séparation. Une séparation. Une séparation. Il dit ceci. Une séparation. Dans des credos humains. Dans l'ordonnance et des choses semblables. Si vous êtes séparés, alors levez les yeux. Préparez-vous. L'effet va tomber. Un de ce jour, Dieu va les faire venir, ce sera quelque chose à voir. Il dit, serez-vous prêts pour l'autre qui viendra? Est-ce que tu es prêt? Quand Jésus reviendra, serez-vous prêts pour monter avec, lui? Lorsqu'il viendra, il dit, l'enlèvement secret, de l'épouse surnaturelle. Elle passera du mortel à l'immortalité. Elle sera changée à un instant. À un clair. Nous les vivants qui demeureront, nous ne les devancerons pas. Ceux qui sont morts. Frères et sœurs en Christ. Nous qui avons reçu le message. Qui est la lumière de ce temps. Au lieu d'éclairer le monde. Par notre façon de vivre. Mais nous copions le monde. Nous copions le monde. Dans tout et pour tout. Mais surtout dans nos mariages. Quand je regarde les jeunes gens en train de danser, je dis, ils ont appris ça où? Ils ont eu ça où? Ça m'étonne. Je ne comprends rien. Ça vient d'où? Toi qui es une sœur en Christ, qui t'a dit que le jour de mariage il faut se maquiller, il faut ajouter des ongles, se comporter comme une Jézabel, alors qu'il y a un ciel à gagner. Frère, où irons-nous? Nous devons revenir à Dieu. C'est la vérité, frère. Qui vous a dit ça? J'ai regardé une histoire donnée jusqu'ici. Bon, ceux qui n'a bengani yao. Gabisi, je la chasse ici. Je vais gâcher sa fête. Je comprends qu'elle n'est pas encore née de nouveau. Si le Seigneur revenait ce jour-là, est-ce que toi tu iras? Est-ce que tu es prête? Est-ce qu'on est ensemble? Ce sont des choses qui nous font beaucoup de soucis dans nos cœurs. Nous ne comprenons pas. Béka nous prêche.
Nous avons un bon pasteur. Plein fait. À ton qui nous presse jour et nuit. Qui est contre le péché. Mais où est-ce que vous ramassez cela? Ça me pose des questions. Elle est déformée. Et c'est une sœur. Ou elle n'est pas une sœur. Nous devons reconnaître l'heure et le message. Parce que très bientôt, nous allons partir. C'est un peu dur, mais il n'y a pas autre moyen de faire. Les aigles doivent manger cela. Est-ce qu'on est ensemble? Les aigles doivent manger cela parce qu'ils sont prédestinés à aller au ciel. Aujourd'hui, nous sommes dans l'atelier. Nous sommes dans l'atelier. En train de forger. En train de taper. Et les écrous vont quitter. Ces écailles quitteront. Parce que toi, tu as la sémence de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Le roi des rois. Il est vivant. Il est ressuscité.